Oui, c'est un champion, bien sûr. Ça, c'est oui, on a la sensation que c'est un champion parce que c'est un cheval qui a gagné tous ses courses qu'il a fait, le 10e, dernière fois. Et c'est un cheval qui a gagné des critériums de 4 ans et prix de l'UET. Oui, bien sûr, ça, c'est un champion. Tous les chevaux qui font comme ça, c'est des champions. Avant, on savait bien que c'est un cheval dur, mais maintenant, il a aussi la vitesse. Et c'était pas un grand lot, mais il a bien gagné. Il a fini avec une bonne manière et on était très content avec le cheval, oui. Il ressemble beaucoup à son père, et beaucoup dans la tête, beaucoup un peu aussi avec la manière. Et on court mieux avec un peu plus de vitesse, cela, que le père. Le père était beaucoup, il était très dur, mais cela, il est dur et aussi vitesse. Le cheval qui n'a jamais fait un voyage en France, et il a que couru une fois depuis un an. Et bien sûr, c'est une grande différence pour lui. Mais c'est un très bon cheval, il a bien travaillé, il a bien, la préparation a été bien et on espère beaucoup, bien sûr. Normalement, il arrive la semaine prochaine. L'idée, l'instant, ça c'est de courir dans le tendon des bornes. On va bien garder comment il est après la course qu'il a fait là, cette mercredi à Soudala. Mais normalement, l'idée, c'est de courir le tendon des bornes et le cheval, il va arriver jusqu'avant ça.